Yo les amis, c'est Shiva, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui sur GTA V en mode pompier les amis. Et oui, en mode pompier, ça va changer un peu des interventions à la police nationale, gendarmerie nationale, tout ça. Ça va changer un peu, on va faire des interventions de secouristes, au secours des civils tout simplement, voilà, en tant que pompier. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce mode pompier, mais voilà, avec le premier mode qu'ils avaient lancé, l'ancien script qu'ils avaient lancé, était pas tip top, ça s'arrêtait pas de bugger, il n'y avait que le feu, je crois. Et que là, cette fois-ci, là, ce nouveau mode EMS, voilà, qui est sur le site GTA 5 mode, je mettrai le lien dans la description si j'oublie pas. Et puis voilà, ce mode-là, j'ai découvert grâce à Drizix, je sais pas si je dis bien son pseudo, mais c'est Drizix, voilà, qui a fait les textures, tout ça, en pompier, et voilà, il est spécialisé dans les services de secours, donc les pompiers, le SAMU, tout ça. Et j'ai vu une vidéo sur lui il y a 2 jours de ça, et ça m'a donné envie de le refaire, ce mode-là, mais avec le nouveau mode. Alors ce nouveau mode, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Voilà, on va faire ça. Et voilà. Donc c'est celui-là, c'est le EMS mode, et c'est plusieurs interventions, voilà, qui peut avoir, voilà, comme là, ici, là, quand j'ai une intervention, normalement, je devrais partir Testil City, faut transporter un patient, donc voilà, on peut transporter le patient, on peut venir au secours d'un civil qui est tombé à terre dans la rue, hein, sur la voie publique, tout ça, il faut faire un massage cardiaque, tout ça, le rôle d'un pompier, tout simplement. Et voilà, franchement, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, les amis, comme d'habitude. Voilà, pour que la vidéo soit vue sur YouTube, il faut un maximum de pouces bleus. Si on pouvait atteindre les 200 likes, les 200 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait énorme. Ça me ferait extrêmement plaisir, les amis. Et puis voilà, on va partir directement en intervention. Donc voilà, Drizix, un membre de la Baro Team qui a fait les textures. Voilà, de toute façon, le lien est toujours dans la description. Let's go. Donc là, on est en paramédic, donc en premier secours, véhicule de secours pour... oh, c'est marqué quoi? J'y connais rien au niveau des pompiers, désolé. Voilà, là c'est véhicule de secours et assistance aux victimes, donc les civils, tout ça. Donc voilà, on peut avoir des accidents, tout ça. Voilà, c'est parti, let's go. Alors là, on a une intervention, bitch, ok, personne shot, ok. Oula, je crois que quelqu'un s'est fait tuer, donc voilà. On va prendre l'intervention, c'est parti, les amis. Oula, en plus il y a un hélicoptère. Allez, on va se rendre sur les lieux. Let's go. Alors j'espère que vous avez kiffé, hein, si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez, que n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres séries sur les interventions de pompiers. Voilà, des interventions sur les secours. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'essaierai de faire d'autres vidéos par la suite au niveau des secours. Donc là on va se rendre tout de suite à 2 km 34. Franchement, 2 km 34, ça va être chaud. Allez, let's go. Je mets les sirènes, je sais pas comment on les arrête, les sirènes, normalement c'est J tout ça, mais à toi, toi. Pour arrêter le son des sirènes, là, je suis pas en ELS. Donc du coup, pour arrêter les sirènes, ça va être un peu short. Et on y va, let's go. Allez, circule, circule. Arrêtez-vous. Voilà. Allez, on va essayer de prendre de la vitesse. J'espère qu'on va pas se péter la gueule. Non, c'est bon. Allez, on y va. On va prendre un contresens là. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Je le savais. On va tourner là. Traverse pas toi, je suis en intervention. Allez, let's go. 1 km 40. On y est presque. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux oreilles, mais voilà, ça fait RP. Voilà, c'est du RP. Hein. J'essaie d'être le plus RP possible. Je sais que ça fait mal aux oreilles. Mais voilà, on est en intervention. Donc quand t'es en intervention, surtout en ville comme ça, faut mettre les gyros pour être le plus rapide possible sur les lieux. Donc voilà, c'est de pas mettre aussi les autres civils en danger. Donc on les prévient qu'on arrive, tout simplement. C'est à eux de se ranger quand on arrive, tout simplement. Donc là, on arrive, on a 800 mètres. Alors c'est quelqu'un qui s'est fait tirer dessus, hein, d'après ce que j'ai compris. On va tourner là. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait tirer dessus. Hop, on va tourner. Toi, le camion, il va s'arrêter au milieu de la route, j'en étais sûr. Allez, let's go. J'aurais pu couper avant, mais c'est sur la plage, hein, les amis. C'est sur la plage, quelqu'un qui sait faire. Mais c'est un hélicoptère qui est en route aussi, apparemment, ou c'est un hélicoptère de la police. Allez, let's go. On va pas mettre les civils en danger. On va passer par là. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Oh là là, les PNJ, sérieux. Allez, let's go, on va prendre là, ici. On va arriver sur les lieux. Alors il est où le personnage? Il est là-bas. Ok.
Faut pas écraser les gens. C'est ici. Ok. On y est. On est sur les lieux. Ok, presse H. Ok, circulez, circulez, circulez. Oui, monsieur, bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est les pompiers. Ne bougez plus. Restez calme. Voilà, la tête bien en arrière. Ok. Reculez, reculez, reculez. Massage cardiaque, presse. Ok, ça marche. Massage cardiaque. Ok, c'est bon. Il est revenu. Il est revenu la nuit. Bonjour, monsieur. C'est les pompiers, c'est les pompiers. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes arrivé là? Vous avez perdu conscience ou quoi? Goutte pressure. Ok. 36, ok. Levez-vous tout doucement, tout doucement. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Allez à l'ambulance. Allez à l'ambulance, je vais vous emmener à l'hôpital. Ok, monsieur, votre ami a perdu conscience, tout ça, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je vais l'emmener à l'hôpital le plus près. Donc, si vous voulez le rejoindre le plus, voilà, l'hôpital le plus près, ou vous essayez de contacter l'hôpital le plus près, tout simplement. Et donc, on va pas s'attarder, on y va. Ok, bon, bah, bonne journée, monsieur. En tout cas, merci d'avoir appelé les pompiers. Ok, ça marche. Ok, collègue, donc, j'emmène le civil, là. J'emmène le civil à l'hôpital le plus proche. Allez, je traîne pas. Allez, bonne journée à vous et bon service. Bon, les amis, c'est bon. On va emmener le patient, là. À l'hôpital le plus près. Allez, let's go. Ah, par contre, j'ai pris la plage comme ça. Je sais pas si j'arriverai à ressortir comme ça. Ok, c'est à 2 km. T'as l'hôpital le plus près, c'est à 2 km, t'es sérieux? Ok. Allez, on emmène le patient là-bas. Allez, let's go. Bah, de toute façon, j'ai plus besoin de prendre les. J'ai plus besoin de mettre les sirènes. On est arrivé sur les lieux. Ok, les amis, je mets pause. On se retrouve quand on arrive à l'hôpital. C'est ça, 2 km d'ici, 1 km. Donc, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, ça y est, on arrive bientôt à l'hôpital. On est à 600 km, 600 mètres. Allez, c'est parti, let's go. On va passer là, papa. Alors, on va tourner par là. On voit que le civil est toujours conscient, on voit derrière, on est toujours conscient. Allez, on va essayer de mettre les sirènes pour aller un petit peu plus vite. Allez, on va essayer de passer par là. Voilà. Allez, c'est bon, on arrive à l'hôpital. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Ok, c'est ici. Allez, il se met carrément au milieu. Allez, poussez-vous, mademoiselle, là. Voilà. Ok. Ok, monsieur, c'est bon, vous êtes parti. Hop, 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 hop. Hop, 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 il voulait prendre mon VSAV. Attends, je l'emmène à l'hôpital, un VSAV. Ok. Bon, c'est bon, on a réussi, les amis. Donc, on se retrouve à la caserne. Donc, là, il a été soigné, tout ça. Il est reparti, apparemment. Bon, c'est comme ça, les amis. Donc let's go, donc on se retrouve à la caserne, allez à tout de suite. Ok les amis, c'est bon, on a été rappelé là pour une intervention, c'est une personne qui a perdu, il est inconscient je crois, voilà, c'est code rouge. Et on y va tout de suite, allez, on part de la caserne. Allez, let's go. Petite intervention comme ça là, vite fait. Une personne qui a perdu, putain c'est à 2 km d'ici. Et ben, donc c'est une personne qui a perdu... connaissance. Donc on va se rendre tout de suite sur les lieux. Allez, let's go. En tout cas, j'espère vous kiffez cette série là, bah, cet épisode. J'espère que voilà, vous avez kiffé. En tout cas, comme ça, je pourrais faire d'autres. J'essaierai de faire d'autres interventions, d'autres séries, d'autres vidéos sur les pompiers aussi. En même temps, ça change un peu des interventions sur. Sur la police nationale ou la gendarmerie, hein, ça change un peu. Des interventions un peu corsées. Voilà, c'est. Ah, il y a un hélicoptère là-haut, je sais pas c'est quoi comme hélico. Ah, c'est de aide aux civils. Ça fait pas de mal de temps en temps. Moi, j'aurais pu tourner là. Allez, poussez-vous.
Je comprends pas moi les gens qui se mettent en milieu de route comme ça là. Ils te gênent encore plus. Allez, let's go. Par contre, les interventions sont assez loin. Hein. C'est à 2 km à chaque fois. Ouh là là. Je crois que j'ai cassé mon SAV là. Non, même pas. Bah, pitié. Si. Je crois que j'ai ma roue qui est cassée là. Non? Non, c'est bon. Oh putain, c'était là. Normalement c'est orange, voilà, vous voyez un peu là, normalement les lumières, les gyros jaunes, ils sont orange normalement. Ok, je crois que c'est à l'aéroport, non? Allez, on se rend là-bas. Let's go. Ah, c'était pour vous faire voir les interventions pompiers hein, qu'on peut faire. Presse H. Ok. Ça marche, on y est. Presse H. Alors, je sais pas à qui. Presse H. Ok, c'est en bas. Oh putain, j'ai mon SAV qui est... Ok, la personne elle est en bas. Poussez-vous. Voilà. Poussez-vous. Oh là là, j'aurais dû arriver par en bas en fait. C'est pas grave. Un petit bug les amis, c'est pas grave. Un petit massage cardiaque, ok. Il a 29-39 R. Ok, c'est parti. On fait un massage cardiaque. Levez-vous monsieur. Ah, c'est les pompiers. Vous avez perdu connaissance. Il y a votre ami qui nous a appelé comme quoi vous avez perdu connaissance voilà, d'un coup comme ça là. Ça va? Vous avez la tête qui tourne? On est quel jour aujourd'hui? Ok, très bien. Ok, levez-vous tout doucement. Vous allez venir avec moi au niveau de l'ambulance. Et en tout cas, merci hein, monsieur. En tout cas, je vais essayer de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Donc, hein, si vous connaissez un peu les trucs, voilà, à l'hôpital le plus proche, on se rendra là-bas. Allez. A tout à l'heure. Ok les amis. Donc je fais une petite coupure le temps que je retrouve mon véhicule là-haut. Et on se retrouve juste après, ok? Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, c'est bon, j'ai retrouvé mon véhicule. Putain, par contre il a été endommagé. Voilà, il y a eu un petit bug. Hein. Voilà, c'est reparti les amis. Donc je l'emmène à l'hôpital le plus proche. Allez, c'est parti. On va essayer de faire demi-tour ici. Par contre mon véhicule, il faudra que je l'emmène à le réparer. Enfin, je vais le réparer après. Allez, let's go, on y va. On emmène la victime là. La victime. La personne qui a perdu, connaissance. On va l'emmener à l'hôpital le plus proche. Ouais. Ah, si, c'est là. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Ouais. Merde, je croyais que c'était. Moi c'était un policier derrière, c'est à 400 mètres en plus. Donc on va se rendre tout de suite. Allez, let's go. Ok. Donc ça, l'hôpital est pas trop loin. Hop là. Bah c'est la même hôpital je crois en plus. Non, c'est la même ou quoi? Ouais, c'est la même. Allez, arrêtez-vous là-bas. Voilà. Voilà. Ok, il va me prendre encore mon véhicule. Voilà monsieur, je vous ai emmené à l'hôpital. Donc allez. Hop, voilà, je vous laisse là. Allez, bonne journée. Bon les amis, on se retrouve à la caserne. Le temps que je répare mon camion, tout ça là, je vais l'emmener en réparation mon VSAV là, s'il fait un peu la gueule. Et on se retrouve à la caserne, allez, à tout de suite. Bon les amis, c'est reparti en intervention. Encore une personne qui a un Rochefort en ville, ou je sais plus où c'est. Et du coup, voilà, on est revenu à la caserne. Allez, c'est parti, let's go, on repart l'intervention. Donc c'est une personne là, c'est... Ah putain, c'est à 2 km à chaque fois. C'est une personne qui a perdu encore conscience. Et shot, je crois, c'est fait shooter, hein, je crois. Hein. Puis shot, c'est à mon avis, il s'est fait percuter par une voiture. Attention monsieur, attention. Donc voilà, on va faire une petite dernière intervention là-dessus. Voilà, c'était pour vous faire voir le mode pompier, voilà, les interventions que je peux faire sur la chaîne YouTube. Voilà, sur la chaîne, des petites interventions comme ça de temps en temps, ça peut être sympa. Aider les civils, voilà, justement les civils, ou soit après par la suite. Je pourrais faire aussi, là on est en VSAV, mais on peut être en FPT. En FPT, merde. Je
je m'y connais pas trop dans les secours, tout ça, hein, même dans la police nationale et la gendarmerie, mais j'essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais voilà, la prochaine fois, ça sera peut-être sur le feu avec le FPT2. Voilà, ça pourrait être sympa aussi à faire. Voilà, d'éteindre le feu, tout ça, je verrai bien sur les autres interventions qu'il y aura sur le mode EMS. Et voilà, pour l'instant, on est avec le VSAV. Voilà, on est assistant. Oh putain, pardon, poussez-vous! Je suis en intervention là. Putain, ils sont cons, hein, les PNJ. Hein. Et voilà, donc voilà ce que ça peut donner, hein, des petites interventions comme ça au niveau des pompiers. Allez, let's go. Voilà, c'est ici que je dois prendre. Allez, go, go, go. Et je pense que ça va être la dernière intervention, les amis. Et après, ouais, ça va faire 20 minutes de vidéo. C'est suffisant. Allez, let's go. À mon avis, c'est une personne qui... Si elle est hélico... Oh là 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 là. C'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pardon, pardon, pardon. Allez, là. Ça arrête là. Voilà. C'est une personne, vu qu'il y a l'hélico, à mon avis, c'est une personne qui était en délit de fuite, d'après ce que je comprends un peu le truc. Shot, à mon avis, c'est ça. Il a dû se faire tirer par les forces de l'ordre. Et du coup, c'est les forces de l'ordre qui nous ont appelés. Et donc, du coup, faut qu'on aille au plus vite. Allez, là, je vais couper par là, parce que là, les civils, là, je sais pas ce qu'ils ont, ils pètent un câble à chaque fois. Allez, on y va, let's go, let's go, let's go. À mon avis, c'est une personne qui était en délit de fuite et un membre des forces de l'ordre. Ah, qui, comment dire, a tiré dessus, à mon avis, c'est ça. C'est ça. Ok, on y va. Ouais, c'est ça, c'est la police nationale. Par contre, ça, vous avez vu, j'ai pas encore changé mes textures au niveau des personnages police nationale. Ok, on y va. Attention, écartez-vous, mademoiselle. Je vais essayer de réanimer votre ami. Ou c'est quelqu'un qui a été percuté, hein, je pense que... Oh, il y a un hélico là-haut. Normalement, il y a un hélico qui est au-dessus de ma tête. Alors, je sais pas si c'est un délit de fuite ou pas. En tout cas, poussez-vous, madame. Alors, on va essayer de prendre... Oh là, il a zéro, c'est chaud. Vas-y, on va essayer de le réanimer. Ouh là là, ça va pas très bien, là. Il a zéro. J'espère qu'on va réussir à le réanimer. Allez, monsieur, revenez à vous. Allez, revenez à vous. Allez. Oula, il s'est mangé une... Ouais, à mon avis, il s'est fait percuter. Et à mon avis, je crois que c'est bon pour lui. Le SPO270, je sais pas ce que ça veut dire. Oula, je crois que c'est mort. Non, je crois que c'est fini pour lui. Allez, reviens. Désolé, mademoiselle, mais restez pas là, s'il vous plaît. Restez pas là. Qu'est-ce qu'il fait la police là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, malheureusement. Là, StarTet, CPR, StarTet. Allez, on y va. Allez, reviens. Reviens, allez, s'il te plaît. On refait. Allez, StarTet, allez, vas-y. Je crois que c'est fini pour lui. Allez. Ah, il revient. Il revient, mademoiselle. Allez, tout doucement. Vous avez été percuté, monsieur, là. Allez, venez avec moi. Oh là, on a eu de la chance. Vous avez eu très très de la chance, vous avez eu beaucoup de chance, monsieur. Alors, vous avez été percuté par une voiture, venez avec moi, je vous emmène à l'hôpital le plus proche. Allez, ça va? Ça va? Vous n'avez pas trop de vertige ou ça? Ok, ça marche. Allez, montez dans le VSAV, s'il vous plaît. Je vous emmène à l'hôpital, hein, vu comment vous avez été percuté, à mon avis. Je vous emmène directement à l'hôpital sans discuter. Allez hop, l'hôpital le plus proche, il a 800 mètres. Bon, c'est parfait. Allez, on y va, let's go. Oh là, il y a un manque de roue là, je sais pas ce qu'il y a eu au moins. Il y a un problème de texture, les amis, désolé. Allez, let's go, on se retrouve. Bon, on se retrouve, non, on se retrouve même pas. On va directement à l'hôpital, hein. On est à 800 mètres, on est pas très loin.
Et là on y va vite fait parce que là il a été vachement percuté, on a eu du mal à le réanimer. Allez, go. Là c'est des collègues qui sont là, ouais. C'est les collègues qui sont là. Allez, let's go. Et puis c'est la dernière intervention, on va arrêter là. Allez, on l'emmène à l'hôpital et puis on va s'arrêter là. Hop. Allez, go, go, go. Ah, c'était ici, c'était ici. Oh là là. Merde, désolé, j'ai pris le panneau. Allez, hop. Attention, mademoiselle. Ok, il y a un autre SAV qui est là. Ok. Bon, allez, monsieur, j'espère que ça va aller mieux pour vous. Allez, je vous dis bonne journée. Je vais monter dans mon VSAV s'il va vouloir me le prendre. Voilà, je m'en doutais. Ok. Voilà, bonne journée à vous, monsieur. Et faites attention la prochaine fois quand vous traversez. C'est là où vous avez été fauché. Vous avez eu très très de la... Vous avez beaucoup de chance. Ok. Bon, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tout simplement, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Tout simplement, cet épisode au niveau des interventions de pompiers. Bon, il y a eu quelques bugs et je suis pas encore tout à fait opérationnel au niveau des interventions de pompiers. Franchement, c'est la première fois que j'en fais. Donc voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires aussi, les amis. Hein. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez avoir d'autres épisodes au niveau des pompiers, des secours au niveau des civils. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Et voilà, pour ma part, je vous dis bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!